Bonjour à toutes et à tous, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va stacker là où on s'est arrêté la dernière fois, c'est-à-dire à mission 9, colline 192. Alors, colline 192. Entrée entre la compagnie Hebel et la colline 192 se trouve un bocage labyrinthique truffé de 88, de panzers et de fantassins dissimulés. La compagnie Hebel doit sécuriser la colline 192 avant d'avancer vers Saint-Lô. Cette mission-là, je l'attendais depuis un petit moment. Ce que j'aime pas, cette mission-là est plus ou moins facile à faire, mais c'est surtout celle d'après que j'adore. Oui, j'ai même le droit de donner mon avis sur le jeu. Je sais que ça vous aimez pas toujours, mais bon, vous faites quand même des vidéos, faut quand même que je vous donne mon avis. Et ça nous permet surtout de voir en fait l'enfer que ça pourrait être les bocages. C'est ça que j'ai bien aimé sur cette mission. Je vais vous laisser avec, tout de suite avec la vidéo cinématique qui suit. On se retrouve après. On a perdu le contact avec la compagnie Charlie. Ils avaient ordre de prendre la colline 192. Ils ont échoué. On sait que la division d'élite Panzerlehr a été chargée de défendre Saint-Lô. Le Panzer de l'As Joseph Günther Schulz a été repéré dans la zone. Avant de capturer Saint-Lô, Hebel va devoir prendre la colline 192. Bon, ce Schultz, je sais pas c'est qui du tout, hein. Je ferai des recherches pour la mission d'après, pour avoir une idée c'est vraiment qui. Étant donné que cette mission... Là, en fait, je vous explique ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait cette mission-là et trois suivantes. Alors, quand je me suis entraîné en difficile, j'ai fait la mission 8, 9, 10 d'affilée, en fait. Et j'ai même failli hésiter à faire la 11. Là, je vais vous filmer la 8, la 9 et la 10. Je compte vous la filmer d'affilée. Comme ça me permet d'avoir plusieurs vidéos déjà préparées. Et comme certains le savent, je suis en terminale. Donc, vers cette fin d'année, j'ai quand même mes révisions du bac qui sont là. Il y a aussi tout ce qui est le bac à passer. Préparatif du bac. Donc pendant ces 2 semaines de vacances, je vais préparer énormément de vidéos, en plus de revues à côté, pour les 2 mois et demi à venir. En gros, de début mai à... Allez. Début mai à début juillet, peut-être avant, il y aura peut-être quelques changements d'ici là, mais faut jusqu'à partir déjà de la semaine du 22 mai, ça sera déjà des vidéos préparées énormément à l'avance. Ce sera des vidéos qui auront été tournées pendant ces vacances-là. Donc, par exemple, s'il y a des problèmes techniques, tout ça, je ne pourrai pas les corriger. Je vous le dis vraiment, je suis vraiment désolé pour ça, mais apparemment, la dernière vidéo, le son était correctement réglé. Je suis content que ça ait été corrigé. Mais il faut savoir que là, je ne pourrai rien corriger. Donc, si vous m'entendez mal, tout ça, il faudra malheureusement faire avec. Hein. Et je vais aussi profiter de ces 2 semaines de vacances pour mettre 4 vidéos. Hein. J'ai essayé, ça je vous promets pas, j'ai même essayé d'en mettre 6. Je suis ambitieux, on verra bien. Donc voilà, normalement, d'ici la fin du bac, c'est le walkthrough de Company of Heroes sera fini. Et Warning Conflict aura commencé, et il y aura 2 surprises qui arriveront en même temps hein, quand la semaine où j'aurai 10 000 vues. Colline 192, 18h30, opération Cobra, 11 juillet. Qu'est-ce qui va pas, Franks? T'avais jamais vu un cadavre? Un charnier.
faut savoir que le jeu a certaines scènes qui sont un peu crues, hein, donc pour âme sensible, respectez les 16 ans et plus. C'est pour votre santé, vous devez le respecter. Depuis 3 jours, notre division essaie de prendre la colline 192, défendue par le 352e régiment de grenadiers ennemis. On va s'en charger. Les haies cachent de puissantes défenses. On va gravir la colline sous des tirs ennemis, alors surveillez bien vos flancs. Et ce n'est pas tout. Le 352e régiment reçoit des renforts de ces villes. Si on parvient à sécuriser ces zones, ils ne pourront plus attaquer notre ligne de progression. Ces deux routes seront sûrement bien défendues. Alors évitez-les au maximum. Prendre la colline 192 ne sera pas facile. La compagnie Charlie n'a pas réussi et s'est fait décimer. Maintenant, c'est à nous de jouer. Bonne chance, Abel. Écoutez tous, bougez! Bon. Voilà, vous avez l'infanterie. Alors mon planning, comment je vais attaquer? Je vais attaquer là à gauche. Et je vais capturer ça à peu près. Si vous laissez un mini carte là, c'est comme ça que je me déplace. Je vais attaquer cette position là, ici. Puis j'attaquerai simultané. J'attaquerai peut-être par là, mais j'attaquerai surtout par ici en fait, massivement, pour au final prendre le point. À droite, j'évite. Parce que j'y arrive beaucoup moins bien, faut dire ce qu'il y a, j'ai essayé de m'entraîner des deux côtés. À droite, j'y arrive pas. Faut descendre quelques moches. Ouais, allons-y. On y va, les gars. C'est parti. Fusiliers, avec moi. C'est parti. Contrôlez les munitions en avant. Eh oui, 50 minutes. Course contre un monte, les gars. Faut absolument prendre cette position, les gars. J'avais complètement oublié la mitrailleuse. L'ennemi nous canarde depuis les haies. Les boches se plantent dans les buissons. Baissez-vous. Ouvrez une brèche dans la haie au bulldozer. Faut contourner les boches. Foutez le fusil. Foncez. Ouais. Sauf qu'il me faut rapidement mes chars. Là, ma technique, c'est que je rush tout de suite les chars. Là. Je réfléchis plus. Moi. Réfléchissez pas, nous sommes avec vous. On va les avoir à la colère. Lancez. Les boches sont en train de vous attaquer. Parfait, parfait, parfait. La grenade a été lancée. Heureusement, ils se font décimer en contrepartie. Voilà. Le Sherman Crocodile avec sa lame bulldozer. On doit trouver un moyen de traverser ces haies. Déployez les Sherman Crocodile et équipez-les de lames de bulldozer. Bon, Calliope, moi en fait j'utilise le Calliope en tant que contre-batterie, hein, de me... Je vais vous replier. Bon. Le déploiement rapide peut maintenant... Comme vous constatez, c'est vraiment assez compliqué cette mission. Parce que où que vous ayez avec votre infanterie, elle va se faire prendre en embuscade. Avec des mitrailleuses un peu de partout. On est prêt à avancer, on attend l'ordre. Réserve d'infanterie en route. Les renforts seront... Et c'est vraiment pénible. Bon. Alors ici, bon là c'est objectif secondaire, ici vous aurez un gros problème, je vous en dis pas plus pour l'instant, mais les gars là-haut vous me posez problème, et quand je vous dis vous posez problème c'est vraiment moi je les hais, ces gens là-haut. Comme j'ai commencé à le dire, à certaines cinématiques qui sont crues, hein.
Et je compte vous dire, il y a certaines choses qui risquent d'être un peu violentes. Par exemple, sur Sherman, vous avez remarqué qu'il est possible de mettre des... Comment ça s'appelle? Voilà. De mettre des crabes. Je les ai pas encore utilisés, mais quand je vais les utiliser, il va se passer un truc assez horrible. Je préfère vous le dire tout de suite, parce que c'est vraiment... assez cru comme scène. J'essaie de chercher mes mots pour en même temps que je joue. Parce que j'utilise souvent, déjà pour des miniers bien évidemment, mais aussi pour quelque chose d'un peu plus... Je veux que vous me rasiez cette ville. On peut pas laisser des frites s'arrêter notre progression. Mais aussi quelque chose d'un peu plus violent. Je lui envoie tuer l'infanterie quand ils sont regroupés. C'est très efficace pour nettoyer tout ce qui est infanterie. Quand je dis efficace, j'ai pas trouvé mieux, je vous promets. Quand il y a beaucoup d'infanterie, c'est extrêmement violent, mais c'est extrêmement efficace. Donc, au nom de l'efficacité, je l'utilise. Cette technique. Et je compte l'utiliser maintenant. Il risque d'y avoir beaucoup de démembrements, donc. Les personnes qui n'écoutent pas les mises en garde Peggy, je vous conseille vraiment de les écouter. Je ne suis pas votre mère, donc vous faites ce que vous voulez. Mais je vous vraiment vous mettre en garde, si vous êtes malade en voyant de telles scènes, vous vous en voudrez qu'à vous-même. Donc je préfère vous mettre en garde tout de suite. Parce que ça risque d'être un peu violent. Non, revenons au jeu. Donc pour ceux qui me suivent toujours, hein. On va dégommer la ville de gauche. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Non. Man. Allez, des... Non. Oh, j'ai du bug. Je m'excuse d'avoir soufflé un grand coup dans le micro, hein. Mais en difficile, j'aurais perdu le char. Voilà, tout simplement. Et vu que je hais le Goliath. Bon. C'est pas grave. Sortez l'âme de bulldozer sur nos Sherman, on n'ira nulle part. Écrasez les haies pour ne pas être coincés. Alors, les renforts viennent d'ici, en fait. Putain, mais... C'est bizarre qu'il bloque pour si peu. Alors, l'avantage de l'âme bulldozer, je la présente. On traverse les... On est prêt à avancer, on attend le STBC. On attend que les Boches. Bon bah, nickel. Faites-moi avancer, blindé en attente. Bon, alors regarde, cette mission-là, ça nous permet vraiment de nous mettre dans l'ambiance des haies, je trouve. Parce que, comme je l'avais dit un coup dans une vidéo, la hantise des alliés, ici, c'était pas de combattre. C'était les embuscades. Parce que, dans les haies, vous pouvez facilement positionner des mitrailleuses, positionner des mines, tout ça. Et sans moyen de riposte, c'est ça le pire. C'est que vous prenez une embuscade, les soldats ils pouvaient pas riposter. Voilà. Non, toi. Il veut pas. Bon. Ensuite, vous désactivez ça. Et maintenant. Vous continuez à construire des Sherman, vous posez pas de questions, vous faites des Sherman comme toujours. Hein.
Mais vous avez aussi utilisé une infanterie extrêmement utile, les Rangers, sur cette mission. Bon, voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Bon, on avance plutôt bien. On avance plutôt bien. Comme vous voyez, je vous déconseille déjà sur cette mission de garder les routes. Parce que route signifie embuscade assez facilement. Et j'aime pas être pris en embuscade, moi, tout simplement. Donc ne comptez pas sur moi pour garder l'axe des routes. Bon. Ici, il y a forcément quelque chose. Il n'y a pas à réfléchir. Là-haut, vous voyez ça, c'est qu'il y a quelque chose. Je fais des rimes sans m'en rendre compte, je m'en excuse. Et je me répète beaucoup. Faudrait que je corrige ces petits défauts pour mes vidéos. Tiens. Ah non, il n'y a rien. Bizarre. Oui, parce que là, je vous fais vraiment une impro totale. Je suis jamais allé sur la route. Si, ici. Je sortais là, j'allais là pour prendre le point, mais sinon je suis jamais allé sur cette route. Mais pour l'instant, tout se passe bien. C'est bien. Alors comme j'avais commencé à le dire, là, comme vous voyez, il y a... bah voilà. Voilà. Ils couvrent la route avec des canons de 88. Restez loin de la route et trouvez un moyen de le contourner. Avancez, allez. Je descends le premier cercle. Nous sommes neutralisés ainsi tous les 88. Allez, en avant. Là, je vais utiliser à mon... On y va, les gars. À mon propre intérêt. Les fusiliers en avant. Donc vous voyez, ne pas envoyer les chars, mais envoyer l'infanterie. Bon, vous, vous continuez pendant ce temps à faire des Sherman. Et vous continuez à faire aussi ces chars là. Vous avez des fusillés. En mouvement. Ah, vous venez de comprendre ce qui se passe en fait. Voilà. Les Allemands repèrent nos positions depuis une tour. Détruisez-la. Ah, en fait, ce qui est gênant en fait avec ces Allemands. Et là, je suis en train de morfler sévère. Maniez-vous. Bon. On y va. J'ai pas trop le choix, mais... Indiquez-nous la cible. Paré à faire feu. Fusil, prêt. Ah, vous me bordez à baraque en fait. Oui, chef. Nous sommes là. Vous avez construit aussi une deuxième équipe d'ingénieurs. Appelé deux Rangers. Faites attention. On est prêt à avancer. On attend l'essai. Moi, vraiment, se montrer assez agressif. Des haies pour protéger nos flancs. L'une de nos unités a été anéantie.
À vos ordres. On avance. Bon. À vos ordres. Hop, hop, hop. On a de la compagnie, vous mettez juste ici. Ouais, entendu. Rassemblement. Artillerie attaquée. On ne se rend pas. On avance, allez. Il va le rien. À l'attaque. Allez, les gars. Voilà. Bon, comme vous constatez, maintenant ça va être beaucoup de réparations. Cette vidéo, ça fait quoi? Ça va un peu de temps qu'à commencer. Au revoir, Gog. On se bouge. Très bien. Allez. Chef de char, bon rapport. Blindé, prêt à donner l'assaut. On bouge. On va donner une bonne leçon. Réparation terminée. Ils ont besoin d'être réparés. Que voulez-vous? Oui, chef. Très bien. Restez baissés. Bon. Ça se passe plutôt bien. Ça a duré 20 minutes que cette vidéo a commencé. Batterie, prête. Attendez. Bon, on peut prendre, voilà, autre bon point, on peut prendre un dépôt de munitions d'essence qui en a 16 dedans. Bon, là il m'en faut plus trop, mais on est prêt à mettre les gaz. On peut passer à l'action. Ça peut toujours être utile. Le char ici n'a toujours pas été détruit, ça pose un petit problème. Pas de problème. Parce que je sais plus exactement où ici il est. Le chef d'équipage. En route, plein gaz. Bah, il était juste là. En fait, la technique pour cette mission, c'est de toujours rester en mouvement avec les chars. Vous avez vu, je suis resté immobile quelques instants. Voilà, ah, c'est ça que je cherchais, je vous avais pas vu avant. Ça, vous pouvez facilement savoir où ils bombardent. Là, nous allons lancer les rangers. Là, vous allez les équiper de Thompson. Maintenant, en fait, tout va plutôt bien se passer, parce que vous avez réussi à faire du lac plus dur. Vu que vous avez dégommé le Mirador, l'artillerie ennemie ne peut plus vous attaquer, donc vous pouvez avancer déjà un peu plus tranquillement. Plus sereinement, surtout. Il est vrai qu'il y a toujours des unités assez gênantes. Mais vous les neutraliserez assez facilement. La vidéo... Je vais faire une... On va s'arrêter pour la première partie, je pense. Avec quoi, 20, 23 minutes. On va aller à 27 minutes. Une fois 27 minutes, ben on fera une coupure. Hein. Parce qu'il faut... il est bien beau de faire des vidéos, mais il faut parfois aussi savoir faire les coupures. La section d'infanterie signale des pertes. Bon. Alors. Hop, hop, voilà. Alors, le pouvoir que... Là, je vous parle un peu de ce que j'ai pas fait. Le pouvoir que j'ai pas débloqué, que je ne peux pas débloquer, vous permet d'obtenir du soutien hors map. C'est un peu tout ce que vous pouvez avoir en hors map, en fait.
vous pouvez, autant ça peut être des véhicules, autant ça peut être de l'infanterie fusillée, autant ça peut être des mortiers, des mitrailleuses, des canons anti-chars. C'est divers. Ce qui en fait autant un outil efficace, autant un outil avec un gros bémol, c'est qu'est-ce que vous allez avoir en soutien en fait. Mais bon, c'est assez bien utile. Donc, je vais vous faire un coupure. On va s'arrêter là pour cette première partie de la vidéo. La deuxième partie devrait durer 10-15 minutes. Donc on se retrouve tout de suite. Donc nous revoilà, j'allais dire d'ici là portez-vous bien. Non, ça c'est en couture de vidéo, je dis ça. Puis évitez de commencer à dire ça au milieu de mes vidéos, sinon... Ici, Calliope, Colline. Vous posez pas de questions, vous avez un Calliope, vous visez. Le seul endroit où il peut y avoir le plus d'ennemis, la Colline. Oui. Et je vous présente les détendeurs de la croix de chevalier. Les détendeurs de la croix de fer, normalement. Ça doit être la vraie traduction. Vous êtes les chevaliers de la croix de fer, normalement, voilà. C'est. La croix de fer, en fait, ça peut être distinction de l'armée allemande. Et il faut savoir que... Bon, oui, ça met nos bombardiers en fait toujours au même endroit. Ainsi, je vous présente le gros problème qui se passe, c'est qu'ils ont plein de canons anti-chars. Mais passez derrière votre crocodile, faut qu'il soit par contre réparé au maximum. C'est vrai que ma technique marche. Bon. Étant donné que le crocodile a une lame de bulldozer, il résiste un peu mieux frontalement au tir ennemi. Donc ça vous permet de tenir un peu plus longtemps. Et ça vous étonne qu'ils en aient bien des gogues. Bon. C'est ça qu'ils veulent dire en fait. C'est qu'ils ont des blindés qui vont arriver en renfort. Bon. Oh non, ça se passe pas du tout bien là. Bon, l'attaque finale s'est plutôt mal déroulée. Mais bon, on commence à prendre position en haut de la colline, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Plutôt une bonne, entre guillemets, parce que ça se passe vraiment mal. Bon. Voilà, on va entreprendre l'entretien des chars. Je vais carrément terminer cette mission parce que on va éviter de faire une bêtise. Déjà que les chars sont quasiment morts. Hein. Cavalerie
Alors cette vidéo va être vraiment très courte. Hein. Si je vois qu'elle fait moins de 5 minutes, je vous rassure. Si la durée de tout l'ensemble fait 30 minutes, vous en aurez une seule vidéo, je vous rassure. Donc ainsi, nous avons réussi à capturer la Queen 192 après de multitudes difficultés. C'est déjà un peu plus français. Pour cela, nous avons dû neutraliser les lignes mitrailleuses embusquées un peu partout, neutraliser le mirador ennemi qui fournissait les cornets d'artillerie. Et en ayant réussi à capturer si rapidement la Queen 192, nous avons eu le droit à la décoration de la médaille militaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien et vive le jeu vidéo.